Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 40e épisode de notre Let's Die Station Years saison 4, toujours sur Vulcain. Et aujourd'hui, on va essayer de se rajouter un deuxième Sterling Engine et voir combien on en sort. Allez, c'est parti. Tac. Du moins pour l'instant, je peux démonter tout ça. Ah, oui. Ok, il va me falloir quelques tuyaux en plus. Donc ça, ça peut se ranger. Toi. Alf. En fait, fait comme ça. Des tuyaux. C'est bon. Ok. Très bien. Comme ça, ça devrait être pas mal. Et du coup, normalement, là je devrais pouvoir passer la tuyauterie droite comme ça. Et puis, plus de temps qu'à faire. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bled où j'ai toujours soif? Et toi, est-ce que... Super. Ok. Oula. Heureusement que ça tournait pas. Sinon je vidais. Ça c'est bon. Ah. Zut, je voulais te faire les steel sheet. Ça passe. Ouf. Tronic Parts, toi ici et là. Logiquement. Thank you.
15%, 15%. Ça fait 3200 watts. Ça fait 3200 watts. C'est bon pour faire une raclette, ça. Est-ce que ça m'a un peu rempli ma... Oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Mais 3200 watts, ça me paraît peu encore en comparaison de... Stirling Engine. Encore un peu la pression. Et déjà, on va boire un coup. Encore. Et depuis tout à l'heure, je rentre et je sors, je le loque même pas. Ici, on en est où? 17 degrés, ça me paraît frais. Bon, en oxygène, on est bien. En eau, on a dépassé le mégapascal. Ça remonte un petit peu là. Parce que c'était un peu bas quand même. Allez, on y retourne. Ça doit être l'heure de... Est-ce que c'est l'heure? Bientôt.
j'ai pas les 900 là? Est-ce que j'ai pas attendu assez, bêtement? Si je voulais faire un peu plus d'acier, il me reste combien d'acier? 140, bon ça va. Donc j'ai un peu de tout là. On va te charger un peu, histoire d'avoir un tampon. Allez, si on monte à 10 mégapascales à cette température-là, on aura de la marge. A priori. Voilà. Donc. Donc, est-ce que j'aurais eu la place de le laisser là? Oui, je me suis embêté à le démonter pour rien. Ah zut, j'ai ramené l'autre là-bas. Et j'ai remis une clim au lieu de mettre. J'ai remis une clim au lieu de mettre ce qui allait bien. Une filtration. Ok, ça c'est bon. Forcément, je t'avais vidé, donc tu vas mettre un petit moment pour te re-remplir. Ah oui, il manque un peu un passif vent ici. Voilà. C'est mieux. Ah ouais, à chaque fois que je pose un atmosphérique, je fais pas gaffe et je pose une clip. Combien j'avais mis là? Là, il y avait 7-6. Et à quelle température? À 400. Thank you.
Je peux largement mettre 10. Alors, non, toi, oui. What? Hey, salut Krios. Bah, j'imagine que c'est comme ça que ça se termine. Eh ben celle-là, je m'y attendais pas. Mais j'étais qu'à... Ah, le Stirling, il supporte pas plus de 8 mégas... Oh, ce con, il doit pas plus supporter plus de 8 mégapascal. Donc, bah ouais. C'est comme ça que ça se termine. Je pensais vraiment pas. Je pensais que... Je pouvais... Non, j'étais déjà au maximum de ce qu'il était capable de supporter avec ses... Avec ses 8. Le canister, c'est un smart, il supporte 20 mégapascal. Là, je pense que c'est vraiment le Stirling qui a pété. Bon, on va voir rapidement ça. Si j'arrive à aller voir. Si j'arrive à aller voir quoi que ce soit, parce que comme j'y vois rien et que c'est la nuit. Oui, ben, je sais que je suis mort. J'aimerais bien juste pouvoir analyser. Analyser ce qui s'est passé. S'il faisait jour, je pourrais peut-être y voir quelque chose et voir, être sûr. Mais... Yeah. Je pense que c'est les... Il faudra que j'analyse les images, mais je pense que c'est les Stirling eux-mêmes qui ont explosé. Quand j'ai mis le canister, ils sont passés... La pression est passée en rouge. Ah bah, t'as bien fait de clipper ça, pauvre 10 mégas. Mais ouais, bah... C'est comme ça que cette saison 4 se termine. Parce que bon, c'est Let's Die, hein. Là, le respawn que je faisais, c'était juste pour voir...
si on pouvait voir ce qui avait pété, mais les Stirling, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? C'est quoi celui-là? Alors, la toxicité qui est trop forte, les poumons qui sont crevés, le bonhomme qui est mort. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Ben voilà, il va falloir trouver une idée pour la saison 5. Donc, ben, je pense que je vais vous laisser réfléchir et me dire ça sur le Discord. Alors, j'avais pensé éventuellement, que je vois si c'est possible de le faire en parallèle que j'ai une instance du jeu à part, de mettre le mode pour qui allonge la durée de croissance de plantes. Alors peut-être pas sur Vulcain, ou alors sur une autre, faire une autre planète, je sais pas. Je sais pas trop. Enfin, Vulcain, maintenant, c'est un peu vu. Donc je sais pas. Ah, bah t'as bien fait. Merci, XK. Ouais, donc bah, je m'en montrerai à vous pour la suite. Voir si on refait une nouvelle tentative sur Vulcain. Alors peut-être plus en 1 parce que c'est peut-être plus en Hunger Rate à 1 parce que franchement aller boire toutes les 2 secondes, c'est un peu fatigant. Ou est-ce qu'on fait un autre endroit mais avec le mode qui rallonge la croissance des plantes? Bah vous me direz. Vous me direz. Oh non, la fin à zéro. Non, non, c'est pas le but. Le Let's Die, c'est censé être plus difficile. Donc, fin à zéro, ça serait dommage. Mais la fin à 0,5 par défaut, peut-être, avec le mode où ça met des plombes à pousser. Sur. Ah, il y en a déjà un qui fait ça sur Europa, donc peut-être pas sur Europa. Mais. Et voilà, ça c'est ma suggestion. Sinon, il y a dans l'espace en Let's Die. Tu dis en survival dans l'espace. Je sais même pas. Non, mais t'as pas de. Il faudrait que je me fasse une condition de départ perso dans l'espace. Ouais, niveau minerai, c'est super chaud, oui. C'est censé être. Enfin, l'espace, c'est là pour s'amuser à faire du créatif. Eh, j'ai cliqué respawn et j'ai pas respawn. Respawn. Bon, de toute façon là c'est. Alors, ça fait quoi? 40, je pense. Vu l'heure qu'il est, ça doit être épisode 40. Est-ce que je peux. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai plus l'option de respawn? Pourquoi j'ai plus la touche échappe non plus? Pourquoi j'ai un écran noir? Sans curseur ni quoi que ce soit. Ah. Ouais. Est-ce qu'il y a une commande respawn? Honnêtement. Non.
Azium ? Non. Azium, c'est sur un serveur. Hein. Oui. Non mais je vous dis sur le Discord, faites des propositions et puis on choisira ou on soumettra à vote celles qui me paraîtront les plus fun à essayer, sachant que ça doit avoir un minimum de difficultés, mais pas non plus être totalement impossible, parce que sinon... Bon, je sens que je vais faire un live session et puis recharger ça. Est-ce que ça va m'avoir changé là? Ah voilà. Voilà. Alors. Moralité. Ah, ma hard suit est pas... Ma hard suit n'est pas détruite. C'est intéressant. C'est intéressant. L'espace avec les conditions de départ bien réglées. Ouais. Ouais, donc pourquoi pas. Effectivement, mais ça implique que je commence une partie en créatif pour spawner les trucs nécessaires. Et après... Tu es où, toi? Et après, se lancer. Ça que je voulais. Voilà. Normalement, on est censé mourir de ça sur Vulcain. Pas d'une bête explosion. Commence avec un pod, ouais, mais ton pod il flotte dans le vide. C'est... C'est compliqué. C'est compliqué. Ah! Ah bah voilà ce qu'on veut voir. Complètement détruit. Enfin. Bon bah c'est comme ça. Hein. C'est dommage. J'avais commencé avec des bonnes idées là. Enfin je pense que j'avais commencé avec des bonnes idées pour cette partie là. À faire du Stirling et tout. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. D'accord, ouais, ok. Bah écoute, on... Je vous dis, posez les propositions sur le Discord dans le salon Stationeers, et puis on choisira. Allez, brûle. Voilà. Oh, le bruit. Je sais pas si vous l'avez eu, le bruit. De la combinaison qui éclate, mais on aurait dit que c'était moi qui éclatais à l'intérieur.
Énorme. En tout cas, merci à tous d'être venus passer me voir mourir ce soir. Du coup, demain soir, alors il y aura je vais retourner sur Stationeers, sur Let's Play, soit demain, soit après-demain. Et puis pour l'autre jour, ça va être un peu la surprise. En tout cas, pour ce soir, tant pis. Hein. Je pensais faire un peu plus que ça. Et maintenant, il va falloir que je trouve qu'on trouve une idée de cinquième saison. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, vu l'heure qu'il est, on va certainement pouvoir se faire un petit raid. Et en tout cas, sur YouTube, je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.